Néonatal ICU à l'hôpital Victoria. Chaque année, vous prenez le nombre de petits bébés qui naissent avant terme et au grand. En 2017, vous êtes 17%, et c'est le 2019. Ça veut dire qu'il y aurait plus de petits bébés qui venaient avant terme. C'est-à-dire qu'ils sont capables de payer 6 mois, 7 mois, 8 mois, et ça met un petit bébé là, ça met un bébé bien, bien fragile. Vous avez beaucoup de thérapies et de traitements pour qu'il ne va pas bien s'appeler un petit bébé là, disponiblement quand j'ai grandi, pour mes enfants et moi. L'enfant, c'est mes petits enfants, donc ça va être un petit bébé qui tombe sur le nez. Depuis un peu de temps, je me mets beaucoup d'enfants, donc qui m'a dit que l'enfant prend en sorte d'un petit bébé tout nez. C'est tout un petit bébé qui est à mon père. Je suis commencé par faire le pour une thérapie. Et là maintenant, nous voulons ici, en même temps, nous avons la capacité de prendre soin de nous. Nous trouver la même appareil qui peut s'assister. Et nous, les médecins aussi, je vais permettre de prendre infirmiers, médecins, spécialistes, pour être capable de prendre soin de avec ce bébé. Avec ça aussi, bientôt, nous pouvons une équipe de sponsor thérapie. Ça aussi, c'est un traitement qui nous permet de nous faire la chance pour se préparer, continuer à gagner du temps et comme ça pour éventuellement se préparer à l'entraînement. Maintenant, à côté de moi, le docteur Simon Kerr. Lui, c'est un spécialiste en immunologie et en même temps, il est vice-président du Royal College of Immunologie en Angleterre. Le film sollicite ce mec, le film Fine de Fun, le film Dean Morris. Les pépites au système. Qui va bien le bel hôpital et le bel système et le bel service de la politique de l'hôpital. Avec ça, il faut de nouvelles recommandations pour que nous, dans l'avenir, nous capables de faire sa même recommandation, mettre en application comme ça le service de la politique, de continuer à progresser et